Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi je fais de la capoeira. Je fais pas la capoeira pour être champion du monde. Je fais pas la capoeira pour devenir le meilleur, ni même pour devenir le plus connu. Je fais juste de la capoeira pour mieux me connaître. Car pratiquer la capoeira, ça m'aide à savoir qui je suis. Ça me permet d'incorporer quelque chose. Ça me permet de mieux comprendre moi et les autres. Ça m'aide à mieux gérer mes émotions. Ça m'aide à mieux gérer les émotions des autres. Ça m'aide à porter un nouveau regard sur les situations, sur les événements. C'est pour ça que je pratique la capoeira. Car ça m'apporte de l'énergie, de la confiance en moi. Ça m'apporte du bonheur, tout simplement. Alors pourquoi la capoeira provoque ça? Pourquoi la capoeira nous fait ressentir ça, nous fait nous épanouir? Tout simplement parce que la capoeira, elle est à la croisée de plein de mondes différents. C'est à la fois un art dans lequel on va pouvoir s'exprimer, avoir une expression artistique forte. C'est également un sport. C'est également une danse. C'est à la fois une lutte, mais ce n'est pas une lutte d'opposition, mais c'est au contraire une lutte de résilience. C'est à la fois une tradition, une histoire, une langue, et c'est aussi une musique où on va jouer, on va chanter. Bref, la capoeira touche l'être humain dans sa globalité, que ce soit émotionnel, que ce soit corporel, que ce soit mental. La capoeira va, avec sa pratique, te permettre de te développer physiquement et mentalement. Car elle va changer le regard que tu poses sur les choses, le regard que tu poses sur toi. Et malheureusement, ce regard-là est un frein à la capoeira. Car beaucoup de personnes n'osent pas commencer la capoeira, tout simplement parce qu'elles ont une peur du jugement, une peur du regard de l'autre, une peur de pas réussir, et du coup de vivre une situation très embarrassante. Et c'est pour ça que beaucoup de gens utilisent les excuses « je suis pas souple, je n'ai pas assez de temps, j'ai des douleurs de genoux, de dos », mais tout ça c'est juste une appréhension à franchir ce pas-là. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo-là, juste pour expliquer aux gens qu'on ne pratique pas la capoeira pour devenir le meilleur. On pratique la capoeira pour devenir meilleur. Alors je t'invite à aller au-delà de tes appréhensions, de prendre une bonne dose de courage et de t'inscrire à un cours de capoeira et d'aller au bout de tes peurs, car c'est là que tu vas te rencontrer. Et tu me partageras une fois que ce sera fait dans les commentaires ce que tu as ressenti. D'ici là, je te souhaite le meilleur. Ciao !